Bonjour mes petits soeurs, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. J'essaie de vite arranger la caméra correctement. Voilà. J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Et je voulais faire une vidéo de quelques trucs que j'ai acheté. Quelques. C'est un peu fort, mais enfin soit. Je n'ai pas craqué. Pas du tout. Je vais vous montrer. Je vous montre d'abord le premier sac. Je n'ai pas craqué, non. Il est plein. Je vous montre le deuxième. Le deuxième. Non, j'ai pas craqué. Je vous montre le troisième. Non, j'ai pas craqué. Et si ça vous dit, c'est chez Gabi. Gabi Game. Super Gabi Game. Que je dis pas de conneries, voilà. Je vous mettrai... son site c'est Facebook je pense qu'il a en description. Voilà, du coup on va vous présenter tout ce que j'ai dans mes petits sacs. On va commencer par le dernier que je vous ai montré. En fait non c'est les plus je sais pas comment c'est par lequel. On va commencer et voilà, on va commencer avec Winnie l'ourson de la série de Christophe, ouais, Jean-Christophe et Robin. Voilà, c'est la normale. Je l'avais pas, me semble. Je pense qu'il y en a une là, mais je suis pas sûre que c'est la même. Il faudrait que j'essaye de savoir. Je regarderai ça plus tard. Si je l'ai, c'est pas grave, je ferai bien quelque chose avec, ou je la revends ou je la fais gagner. Pour une fois, je ferai vendre. Voilà notre petit Winnie l'ourson. Tout simple, avec son gilet, enfin son t-shirt rouge. Il est trop beau. Voilà. Hop, on va te remettre en ta boîte. Ça, c'est le premier. Je vais le mettre de côté. La deuxième, c'est Dumbo. Je ne les avais pas. Et je les ai trouvés. Je suis contente parce que j'avais trop envie de les avoir. Et des fois, je les voyais, mais je me disais non, je les prends pas maintenant. Et puis, j'ai peur que qu'elles montent en prix. Du coup, ben voilà. J'ai pris le petit Dumbo en pompier. Je n'ai pas encore vu le dessin animé. Je vais essayer de le regarder. Ça. Décide les prochains jours. Il est trop beau. Elle va peut-être longue, mais je vais peut-être pas tout sortir. Je vais sortir quelques-uns, parce qu'il y en a une ou deux que je vais pas sortir. Le premier sac que je vais monter, je ne les sortirai pas de ces boîtes. Voilà. Une deuxième. Alors, à la base, j'allais chercher une pop. J'allais chercher celle que je suis très fan. C'est mon jeu. Maintenant vous savez, je suppose que vous avez compris. C'est de Crash Bandicoot. Et c'est celle en voiture. On la voit pas trop bien dans sa boîte, mais c'est celle-ci. Je vous montre un petit peu de plus près. C'est de CTR. Le jeu qu'on joue pour ceux qui l'ont, je sais pas. Pour Switch. Moi je l'ai. J'ai pas encore vraiment joué avec. C'est jouer un petit peu après, je pense, je sais pas. Enfin, aujourd'hui je vais devoir mettre mes vidéos, continuer à faire mes vidéos aujourd'hui. La voilà de plus près, mon petit Crash qui passe la langue. Celle là il fallait que je l'ouvre absolument, avec son karting. Ces deux trucs, les roues ne bougent pas, elle est trop belle. J'essaie de me rapprocher, oh, pour que vous ayez vraiment les détails de sa tête, du karting. Elle est trop chouette. J'adore. Un peu de défaut, mais voilà. Il y a une pop que j'ai, qu'elle est de mise de côté. Non, le focus ne veut pas se refaire. Que j'ai mis de côté parce que je dois la changer. Parce qu'elle est abîmée. Et Gabi va me la changer quand j'irai la prochaine fois. Du coup, elle est mise de côté pour pas chipoter avec. Ça, c'est celle que je vais aller chercher à la base. Je ne devais pas aller chercher tout le reste. Mais quand je suis rentrée dans le magasin, j'ai craqué. Enfin, on a craqué parce qu'il n'y a pas que moi. Moi, j'avais craqué pour celle-ci. Pour celle qui est dans le sac plastique que je vais vous montrer tout de suite après.
mon chéri a craqué pour des Lego de je sais plus son nom. Aidez-moi. Oh, je sais plus son nom. Voilà. Je pense, si ça vous dit, que je ferai sur ma chaîne. Ouais, celle-ci, c'est fait. Alors, après, j'ai craqué pour un t-shirt. Un beau t-shirt. Bon, il n'y a pas que des pop, hein. Il y a un petit peu de d'autres choses. Si j'arrive pas à sortir de son sac. J'attendais de faire cette vidéo pour le mettre parce que je le trouve trop beau. Regardez qu'il est beau, c'est Mickey. Regardez ça. J'espère qu'il est bien dedans. Le... Oui, ça va. Ce Mickey est trop beau. Il est trop chou. Je pense que des Mickey, j'en avais pas. Et je vous montre le tag. Le t-shirt Disney. Il y a le tag du truc. Voilà, je l'ai pris en L. Ça va mal et tout. C'est chouette. Je suis contente. Je pourrais le mettre. Après, on se montre en dernier. Enfin, en dernier. Une des dernières choses. Voilà. Je pense qu'après, je vais montrer. Il a flashé pour des Lego. Ça, c'est Carapuce. Carapuce. Je pense aussi, si ça vous dit, que je le fasse sur ma chaîne, le monter. Ça prendra peut-être un peu longtemps parce que j'en ai ouvert, enfin, juste ouvert, pas celui-ci, j'ai pas ouvert du coup, hein, pour regarder le modèle, c'est celui-ci que j'ai ouvert, le modèle, encore, bulle bizarre, comment on fait, parce que les pièces ça m'intriguait, du coup je vous montre, c'est toute petite pièce, comme ceci, voilà. Et quand on voit le bazar, le détail qu'il faut faire, ça va prendre des heures. J'adore monter les Lego, mais là, c'est des petites pièces. Du coup, je ne sais pas si je vais m'en sortir. On verra. Dites-moi en commentaire si ça vous dit que je le fais sur ma chaîne. Bon, ce que j'ai montré. Et le dernier de cette collection, c'est... Salamèche, comme ceci, très beau aussi. Voilà, ça vient de Chine, je pense. Je sais plus, c'est ça le nom. Si vous allez bien voir, voilà. Mais voilà, du coup, je vais vous montrer les pop plus spéciales. Celle-ci, je n'ouvrirai pas parce que je n'ai pas envie d'avoir des paillettes partout. Du coup, vous avez compris, c'est une Autopic diamant et c'est notre chère Mimi, comme ceci, trop belle. Je sais pas si vous allez la voir bien avec le reflet là. C'est chiant cette lampe. Hop. Enfin, c'est ma lumière du jour. Voilà, on voit un tout petit peu mieux. Du coup, moi, je suis. Oh non, ça va. Dans le noir, mais ça va. Après, j'ai une spéciale aussi. Qui brille dans le noir, c'est Aladdin. Aladdin, le génie. Le génie. Celui-ci, par contre, je veux bien l'ouvrir. L'autre, je veux pas l'ouvrir. Le génie qui est trop beau. Comme ceci, avec sa petite lampe qui est juste là. Je sais pas si vous allez la voir. Sa lampe, peut-être. Il est trop beau. Il est trop beau. En fait, c'est peut-être mon écran que vous voyez. Parce que j'ai mon écran de télé qui est allumé. Voilà. Ce sera peut-être un peu mieux. Du coup, je pourrais peut-être ouvrir ça. Hop, un tout petit peu. Voilà. On verra un petit peu mieux quand même. Voilà notre génie qui brille dans le noir. Je n'ai pas encore essayé. Enfin, je vais garder ça. Parce que je les ai été chercher samedi. Et depuis là, ils sont dans les sacs. On est lundi, mais. Voilà quoi. On est lundi quoi. Depuis lundi, j'ai envie de les sortir, mais voilà. Et l'autre, c'est aussi une spéciale exclusive. Par contre, je ne connais pas cette étiquette, mais c'est une exclusive. C'est la bergère.
avec son mais celle-ci elle est ouverte. Elle a autrement, mais j'ai pas encore ceux de. J'ai pas encore des masses de Toy Story 4. Elle est spéciale parce qu'elle. Elle a un socle, si je vois bien. Oui, elle a un socle. Oui, elle a un socle. Je vous la montre sans son socle parce que je vais pas sortir tout. Et elle a le bouton un peu plus de sur le côté que les autres. Elle est trop belle. Avec son petit nœud dans ses cheveux. J'aime bien son nouveau style. Elle est plus jolie maintenant, je trouve. La robe était plus. Faisait plus ancien. Plus dans. C'est plus l'époque, on va dire, pour être poli. Je trouve qu'elle est plus à la mode. Pour être plus. Voilà quoi. Voilà. Je mettrai aussi l'adresse du magasin pour ceux qui n'habitent pas trop loin. C'est à Bruxelles. Il est trop chouette. Il accueille bien Gabi. Je suis contente de son accueil. Voilà. Après, c'est un truc qu'on ne l'avait pas vu directement. Mais quand... Désolée. Cette toux ne veut pas partir. Quand on l'a vu, on n'a pas hésité, ni moi ni mon chéri. Ça nous faisait quand même un peu cher. Enfin, moins cher qu'on l'avait vu en convention. Mais chez lui, était moins cher. Du coup, on a dit, on le prend. Et c'est la box comme ça. Vous voyez, du roi lion. Ça non plus, je ne l'ai pas. J'ai juste regardé parce que c'est une spéciale. Vous avez un t-shirt dans la box. Et vous avez Mufasa en comment on dit, peau de pêche en velours. Du coup, on va ouvrir ça. Surtout casser. Parce que je pense que la boîte, je vais quand même la garder. Même si je vais certainement mettre ce t-shirt. Voilà, le t-shirt. Et c'est marqué pop en plus. Hein. Je sais pas si vous allez voir à travers le plastique. Je vais le retirer du plastique tout de suite. Je crois que celui-là, quand je vais en convention, je vais le mettre. Par contre, c'est juste une grande taille. J'espère que ça ira. Oui, normalement, ça ira. Voilà. Regardez, je voulais vous montrer qui a marqué pop dessus. Je ne sais pas si vous allez voir. Là, il est marqué pop. Pop. C'est une taille XL. Je ne l'ai pas encore vue. Oh, qu'il est beau. J'adore. Je vous montre quand même. Allez, je vous le montre. Regardez ça, qu'il est beau. Mais qu'il est beau. Par contre, il a l'air grand. On voit que c'est des tailles américaines. Je crois que c'est ça, américain. Qui m'a dit. Franchement, je dirais pas les prix de tout. Mais celle-ci, elle vaut la peine. Je l'ai, je vais le dire le prix parce que voilà. Je l'ai payé 49 euros. Mais c'est pas... C'est pas cher pour ça. Parce que je l'ai déjà vu à passer 60, 90 euros quoi, pour la box. Celle-ci, elle vaut la peine quoi. Je l'ai vu plus cher que ça. Mais je trouve trop beau le t-shirt. Je crois que je vais bientôt le mettre. Voilà. Et alors, comme tout le monde attend, c'est la pop. Mais elle est trop... C'est floqué. Et c'est une spéciale. Elle est trop belle. Même le floqué... J'ai des poils déjà dessus. Trop beau. Le floqué a l'air trop beau. Allez. C'est pas une queue. Je ferai ça d'habitude. Mais j'ai trop envie. Oh, j'ai oublié un sac. Oh, j'ai oublié un sac. Je vais essayer de le choper. Avant de monter la dernière que j'ai. Ma plus grosse. Ouais, c'est vrai qu'il me manque certaines pop. Il me manque. Ah, regardez ce Mufasa. Mais il est trop beau, il ressort. Mais il est tout doux en plus. Regardez cette pop, cette merveille. Oh, qu'il est beau. Qu'il est beau, mais regardez ça. Ce Mufasa. Cette petite tête tout mignonne. Mais regardez ses pattes aussi, c'est trop beau. Regardez ses petites papattes. Sa tête, j'adore. Cette queue, c'est tout doux, j'adore.
J'ai envie de le caresser comme un chat. C'est pas un chat, mais c'est tout doux. Je vais pas trop traîner de le garder dans la main parce que je vais pas trop l'abîmer quand même. Doucement, je serai. Et je vais pas mettre mes traces de papate dessus. Mais il est trop beau. J'adore. Et ça, on va le mettre dans une box. Enfin, ouais, ça s'appelle une box. En plastique pour bien protéger. Mais non, il veut plus rentrer dans sa boîte. Il va rentrer dans ta boîte. Voilà, je vais la remettre dans sa boîte ici en attendant. Pas l'abîmer. Voilà. Et je vais essayer de choper le dernier sac que j'ai. J'ai oublié le dernier sac. Je suis bête. Désolée de voir mon pépette. Mais j'ai oublié un sac. C'est pas possible. C'est pas bien ça. Du coup, j'ai encore un sac comme ça. Voilà. J'en ai trois de cette collection. Mais comme je vous ai dit au début, la troisième était un peu abîmée. Du coup, je l'ai mise sur le côté pour l'échanger. Je vais l'échanger fin de mois, normalement. Et c'est le dragon. Dragon. C'est le bébé dragon. Qu'il est trop beau. J'adore aussi ce petit dragon. Je voudrais bien les avoir tous. Il m'en manque deux. À partir de quand j'aurai l'autre, échanger l'autre, je vais montrer après laquelle que j'ai. Voilà, bébé dragon qui est trop mignon. Il me manque les parents en fait. J'essaierai de les trouver en convention pour finir la collection complète. C'est sûr qu'il me faut la collection complète. Hein. Je voudrais bien aussi acheter le jeu de la Switch. Dites-moi si vous avez déjà joué au jeu de la Suisse de Dragon. Et dites-moi ce que vous en pensez si vous l'avez. Parce que moi, non, je ne l'ai pas encore. Ah, mais il me semble bien. Voilà le Dragon 2. C'est laquelle que je vous ai montré. C'est celle avec cette patte-là. Du coup, je vous montre celle que j'aimais. Je ne veux pas refocus, c'est juste celle-ci. C'est là, c'est le numéro 726 qui me manque. Enfin, qui me manque, non, que j'ai, mais que je vais échanger parce que elle est toute abîmée. Et du coup, je ne touche pas la boîte, je l'ai mis de côté. Parce que je lui ai montré, j'ai fait des. Enfin, mon chéri a fait une photo, il l'a montré à Gabi et je veux pas que ça range. Et celle-ci, c'est le petit dragon tout blanc. Le petit dragon tout blanc, je sais même pas comment elle se met en fait. Je crois qu'elle se met comme ceci. Mais il est trop bien fait. Regardez. Ces merveilles de petites têtes de dragon. Regardez ça. J'adore. Elles sont trop belles. Je pense qu'elle se met comme ça. Elle se met comme ça. J'ai de la chance. Quand j'aurai de la chance de les mettre. Très contente. J'ai une dernière que je vous ai déjà montrée. Enfin, de la même collection, du moins. Je vous ai montré. J'ai même pas fait attention que j'en avais qu'une. C'est Dumbo numéro 2. C'est le film aussi. C'est celui. je suppose que c'est celui à la fin. On voit. En plus, il n'y en a que deux dans cette collection. Du coup, je les ai toutes les deux. Cette collection est complète. Je vous la montre de plus près. C'est celle avec tous ces petits. Son petit costume trop mignon. Là, c'est celui du début, je pense, quand il fait le. Si c'est comme le dessin animé, c'est celui du début. C'est même son.